promesse Kembe, mais moi avec le sénateur Camille Akata, avec l'équipe Emmanuel Codijo, avec tout le staff là, nous atterrit. Je te dis là, tu as un conteneur de 40 pieds qui te doit rentrer dans le pays d'Haïti. Et le sénateur Camille Akata te prend toute disposition pour te structurer et coordonner une série de distributions. Déjà, nous avons passé dans Gros Monde, et nous avons préparé pour aller dans la branle. Terre-Neuve, bassin pour continuer avec série de distribution. C'est là de Cantab, je connais qui façon recevoir et belle initiative ça qui fait un débattement dans notre naïve. Côté, dans l'époque, nous avons une bonne majorité de la population qui a recevoir médicaments, matériel médical, matériel hygiénique, manger, etc. Qui gens ou même qui coordonnent les mouvements ça senti aujourd'hui. Ah, moi, je crois que c'est avec fierté que nous recevons ça et reconnaissance que nous recevons ça dans la fondation Together for Haïti, de, en fait, Uxano, qui a pris engagement pour envoyer un peu de bagaille pour en fait, zone sinistrée qui vient de tomber dans un bon moment, époque Noël, époque fin d'année, côté c'est un moment de partage, de solidarité. Je pense que les bienvenus, et de venir au point nommé, dans le sens que la permettre que vraiment nous couvrir un pile monde dans la population. Donc, dernièrement au niveau de Goumon, et maintenant c'est la branle, le bassin, absolument Terre-Neuve. Et nous quelques nous remercier chaudement, madame, monsieur, en fait, Uxano, ambassadeur Uxano, et madame Point du Jour, Emmanuel Point du Jour, qui accompagnait l'ambassadeur Uxano, pour gros ce geste, n'est-ce pas, geste de solidarité qui traduit humanitio vis-à-vis de la population de la Tibonite qui est frappée par le cyclone et qui, dans le moment, côté vraiment des besoins d'aide là. Dans ce sens, on a continué à demander support à la Fondation Together, que nous continuons à chercher pour la population de la Tibonite là et la population de tout le pays d'Haïti en général, côté que la population qui nécessite yo capable de bénéficier de l'aide ça. Donc, encore une fois, merci, merci, merci. Merci, sénateur, merci pour l'accueil là. Et nous avons un accueil chaleureux. Et j'ai toujours dit qu'il y a un peu de monde qui n'est pas reconnaissant. Et moi, pour entrer en pays d'Haïti, pendant plus de 17 ans, après entrer avec plusieurs conteneurs, après avoir avec plusieurs autres parlementaires, avec un peu de sincérité, m'a dit c'est la première fois que moi joignons un accueil aussi chaleureux. Sénateur, assurer que les loger nous, lui assurer que Libanon machine, machine pour nous et fonctionner pendant tout le temps dans le pays d'Haïti, lui assurer nous Libanon manger, lui assurer sécurité nous, lui passer avec nous comme juste un collaborateur, mais comme un frère, comme un humaniste, comme un monde qui comprend ça nous voulons faire et lui encadrer et le travail qu'il m'a fait. Sénateur, c'est avec un pile sincérité, avec un pile souci, m'a dit merci, mille fois merci, dix mille fois merci, et garantir nos bons travail plus pour que la relation ça qui commence entre nous-mêmes capable durable et nous sommes capables de faire œuvre de façon court terme, mais nous allons travailler pour que nous faire des projets à long terme qui sont capables de stabiliser le pays d'Haïti. Merci, on va tout équipe. Nous-mêmes avec Emmanuel Président, nous disons merci.